encore une fois d'applaudir l'équipe de Béziers. On leur souhaite bonne chance en championnat. Allez, nous allons voir Olivier, le plateau récompensant les finalistes qui va être remis. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les filles. Mesdemoiselles, on va leur remettre. Allez, nous allons enchaîner avec les vainqueurs de cette Coupe de France. Les récompenses seront remises par Monsieur Éric Tanguy, président de la Fédération Française de Volleyball, Monsieur Alain Riguet, président de la Ligue Nationale de Volley, et Monsieur Alain Aria, président de la Ligue PACA. Mesdames, Messieurs, merci d'applaudir l'équipe vainqueur de cette Coupe de France qui était composée de la capitaine numéro 2, Tamara Matos-Hoffmann. Numéro 3, Elena Chimizanas. Numéro 4, Dominika Drobniakova. Numéro 5, Marielle Bousquier-Rollet. Numéro 6, Jasna Mastorovic. Numéro 7, Maria Milovic. Numéro 8, Anna Maria Padova-Kostig. Numéro 9, Ludmila da Silva-Videla. Numéro 12, Chloé Mélis. Numéro 13, Shirley Ferrer. Numéro 16, Sophie Rossard. Numéro 17, Lydia Moulmou. Numéro 19, Harmonie Père. Merci d'accueillir également le staff. Monsieur Félix André, entraîneur, Franck Bonhomme, adjoint, Lionel Bonnor, Amélie Tessier, Sébastien Murat, Jean-Pierre Servetti et le président du club. France 2017, Coupe de France professionnelle féminine. Un grand bravo à vous et tout le club pour votre travail, votre parcours.
Également bonne chance en championnat. Et puis sans plus attendre, on va se tourner vers la finale masculine de cette Coupe de France 2017, dernière finale de cette journée d'exception. Journée 100% volée à Clermont-Ferrand. Je compte bien entendu sur les supporters de Nantes et les supporters d'Ajaccio pour nous mettre la même ambiance que sur les finales féminines. Allez, supporters d'Ajaccio, est-ce que vous êtes là? Les supporters de Nantes, je vous entends. Et les deux premiers détenteurs d'un t-shirt FDJ, chaque jour est une chance, s'affronteront à la fin du premier set pour tenter de gagner un maillot de l'équipe de France ou un ballon. Sur France 3 Corse via Stella.
à Pau du 9 au 11 juin à l'occasion de la FIVB World League en France avec l'Italie, les États-Unis et la Russie. Retrouvez toutes les informations sur le site de la fédération www.fivb.org. Exceptionnel. Allez, je vous rappelle que Mende a remporté la finale fédérale masculine. Chamalière s'est imposée devant son public dans la finale fédérale féminine. Et à l'instant, Pays d'Aix-et-Venel a remporté la finale professionnelle féminine. Dans quelques instants, le Casalec Ajaccio volé, tenant du titre, sera opposé à Nantes Métropole volé. On est prêt à les faire bouger, ça va partir du bas, ça va aller jusqu'en haut. Allez les Ajacciens, les amis corses, montons les bras. Ouais. Allez, même chose en face avec nos amis nantais. Tendez les mains, ça va partir du bas. Ça va aller jusqu'en haut. Allez, on va suivre les mascottes. Allez, tout Nantes, montons les bras.
de remporter un maillot d'équipe de France ou un ballon de volley. N'hésitez pas à rattraper les t-shirts qui vous seront envoyés.
17 professionnelles masculines. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais vous demander d'accueillir nos ramasseurs de balles et nos essuyeurs dans un premier temps. Merci aux ramasseurs et aux essuyeurs de rentrer sur le terrain. Nous allons pouvoir maintenant accueillir les équipes. Nous allons commencer par Nantes Rézé, numéro 2, Théo Morillon. Numéro 3, Alès Holubek. Numéro 5, Floris Van Brekamp. Numéro 6, Lucas Demar. Numéro 7, Robin Overbeek. Numéro 9, Sébastien Ducange. Numéro 10, Jasper Diefenbach. Numéro 11, Mathias Demar. Numéro 12, Martin Repac. Numéro 14, Jérémy Mouyel. Numéro 15, Cody Caldwell. Numéro 17, Sepp Patens. La parole est Nicolas pour le club d'Ajaccio. Voilà les tenants du titre, Gazelle-Acacia, Ajaccio, volet numéro 1, Jean-François Exigeant. Numéro 2, Taufa Tecnico. 4, Leonardo Cruz de Miranda. 5, Brett Daly. 6, Florian Lacassi. 7, Georges Petras. 8, Ludovic Kester. 9, Philippe Stojanovic. 10, Nicolas Mijajevic. 13, Daniel Petrov. 15, Sylvain Marcano. Et numéro 18, les capitaines, Jovica Sielowski. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant le début de cette finale de la Coupe de France masculine, nous allons vous demander de vous lever pour l'hymne national, la Marseillaise. Monsieur Olivier Taton, Monsieur Guillaume Assepa et Monsieur Christian Bernette. Allez, mesdames, messieurs, dans quelques instants, le 6 de départ. Rézé Volleyball. Le 6 de départ sera composé du numéro 3, Alès Holubek. Numéro 7, Robin Overbeek.
Numéro 17, Seb Patens. Libéro numéro 14, Jérémy Mouyer. Et le siège de départ du Gazélec Ajaccio, numéro 2, Toafa Takaniko. Numéro 4, le Cruz de Miranda. 5, Brett Daly. 7, George Pepeas. 10, Nicolas Nigelovic. 18, Jovica Simonski. Et numéro 1, Jean-François Alexis. Allez, rappelons que Nantes est entraîné par Martin Lémar et Ajaccio par Frédéric Fernandez. Que les ramasseurs de balles sont parrainés par Gerflore. Et ce sont des jeunes de l'école de volley de Saint-Georges-de-Mons. Bravo à eux. Le service pour Nantes avec le numéro 7, Overbeck.
Club d'Ajaccio 4 partout. Le même séance. Thank you.
Ajaccio revient à présent. Georges Prédas au service. Sur les réseaux sociaux de la Fédération Française de Volleyball, Facebook, Twitter et Instagram avec @FFVolleyball et le hashtag CDFVolley. Et retournez les équipes après ce tournoi monté, 13-11 pour Ajaccio. Thank you.
demandé par Nantes.
Nathalie Partout, Nantes, toujours au service. Française de volleyball, Generali, FDJ, Apart City, Molten, Gerflor, Point P, le Crédit Mutuel, l'équipe et Herbalife. Et encore une fois, merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour ces 4 matchs, cette belle journée de volley et ces finales de la Coupe de France 2017. On peut saluer et applaudir l'ensemble des bénévoles. Et les deux équipes désormais égalité des gîtes partout, service Ajaccio, Nicolas Bigalou.
15, Cody Caldwell, sorti du numéro 12, entrée du numéro 11, Mathias Desmar. Au service, le numéro 17, Seb Patens. Ajaccio 20 Nantes, Ajaccio 22 parlant Nantes, 20. Olivier dans un petit peu moins de 2 minutes.
Nous entamons le deuxième set, avantage pour l'instant, le Gazélec d'Ajaccio, vainqueur de la première manche, 25-23. Allez, mesdames, messieurs, encore une minute. De ce deuxième set avec Ajaccio au service. Service d'Ange Petras pour le Gazélec d'Ajaccio. Pour les Nantais, le numéro 7, Robin Overbeek. Bonne idée, 4-2.
le terrain. 5 à 2 pour Ajaccio. Thank you.
plus carte après cette attaque de la marmotrice de Véranda. Giorgio Petras, c'est ça. Je vais casser Oxy au service.
cette attaque de Nicolas Pinalec. Deuxième temps en technique, et Ajaccio toujours devant 16-12. Allez, mesdames, messieurs, je vous rappelle que l'équipe de France féminine disputera à Nantes, celle de la Trocardière, la Ligue européenne du 23 au 25 juin prochain. Vous trouverez toutes les informations sur l'événement et la billetterie très prochainement sur le site de la Fédération française www.ffvb.org. N'oubliez pas de venir encourager l'équipe de France féminine du 23 au 25 juin, celle de la Trocardière à Nantes, pour la Ligue européenne. Reprise du match, 16-12. Changement à Ajaccio, sorti de Brett Daly et entrée de Philippe Stolovic. Au service pour Nantes, Mathias Desmar. Le point est accordé à Nantes dans un premier temps et challenge vidéo demandé par Ajaccio. Allez, dans quelques instants, nous aurons les résultats sur l'écran. Service, toi, Pat Takilito. Frère.
après vérification. 5-14.
je vous rappelle que vous pouvez aider la pratique du sport pour tous. UMS est une ONG mêlant sport et humanitaire dont l'objectif est de fournir aux populations, notamment aux enfants, du matériel de sport. En participant à la tombola de ce jour, vous aidez UMS pour les projets humanitaires qu'elle mène dans le monde, et notamment au Brésil, dans les favelas de Rio, en Malaisie, à Kuala Lumpur et en Haïti. Vous pouvez également donner du matériel ou des vêtements de sport pas trop usés. Aujourd'hui, pour les finales de la Coupe de France de volley, vous pouvez gagner les 8 maillots dédicacés des 8 équipes finalistes, un ballon Malten officiel offert par la LNV, et tout à l'heure, lors de la rencontre, a été gagné un maillot de l'équipe de France. Le principe est le même que pour une tombola classique, sauf que les tickets pour gagner les lots sont des dons, et donc 66% du montant est déductible de vos impôts. N'oubliez pas de demander votre reçu fiscal pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le stand de UPS ici à la Maison des Sports. Un ticket égale un don de 5 euros. Bonne chance à tous.
Jasper Diefenbach. Pour Nantes.
service d'Oafa Takehiko. Les temps en tactique et c'est Nantes qui mène dans ce troisième set sur un score de 8 à 5. Du match, Nantes mène 8 à 5 au service pour les Nantais, numéro 7 de Robin Overbeck. Pour Ajaccio, toujours 8 partout.
partout dans ce troisième set. Pour Ajaccio et Nantes toujours devant 12-11. Reprise du jeu service, Ajaccio qui mène 13-12. Lucas démarre. Ouais.
international par le tournoi de qualification au championnat du monde du 24 au 28 mai au Palais des Sports de Gerland. Après la Coupe de France, c'est l'équipe de France qui sera dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à aller encourager les Bleus de Laurentie pour ce tournoi de qualification qui aura donc lieu du 24 au 28 mai au Palais des Sports de Gerland à Lyon. Que Laurent Thibi, sélectionneur, est présent dans cette salle. Il est au commentaire sur François. Ajaccio 16-12, au service, Jovica Simovski.
du numéro 5, Rete, remplacé par Philippe Stanovic, numéro 9. Thank you.
déjà appelé les remettants à se rapprocher du podium, monsieur Alain.